Ouais, c'est toujours aussi génial. Hé, hey, commencez pas à toucher à tout. J'ai promis qu'on se régale. Adèle, t'es là? Adèle, ouvre-nous. Je suis là. Et pour info, j'habite pas dans la malle. C'est pourtant là qu'on t'a trouvé la première fois. En tout cas, merci de me laisser revenir. Y'a pas de quoi. Vous êtes prêts à découvrir les secrets du cinéma? Ça, carrément. Très bien, alors on va commencer par le début. Moi, je suis prête. Et action! Non, ça c'est pas du tout le début. Ah bon? Je pense qu'on devrait s'asseoir. Et voilà! Ouah, c'est quoi? Un truc moche rouillé. On dirait une valise. On peut l'ouvrir? Oh. Oh, un truc moche mais moins rouillé. Faites attention, c'est fragile et très ancien. Ça, on aurait deviné. On dirait le truc là. Ah oui, pour regarder les étoiles. Un télescope. Attends, laisse-moi regarder. Je vois pas d'étoiles. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une lanterne magique. Non, sans blague, une vraie lanterne magique. Attends, je peux l'essayer? Génie, je vous donne 10 euros. Alors toi, si tu as fait un vœu, tu demandes juste 10 euros. T'es économique, toi, comme gars. C'est clair. Génie, je voudrais une Ferrari. Alors moi, une montagne de glace au chocolat. Et moi, un palais en cristal. Vous êtes sérieux là? C'est pas une lampe magique comme Aladdin. C'est une lanterne magique. Ça projette des images. Vous savez, évidemment. Tout le monde le sait. C'était que pour le faux. Comment ça marche? Il faut allumer la lumière apparemment. Avant, c'était une bougie, mais mon grand-père l'a remplacée par une ampoule. C'est le premier appareil de projection qui a existé. Trop cool! Allume-la, s'il te plaît! Attendez, attendez. Je peux? J'adore ce truc. Non, pas maintenant. Ça fait juste de la lumière. C'est une lampe quoi. Mais non, il faut mettre ça à l'intérieur. Il y a des images dans les plaques. Waouh, c'est impressionnant. Dommage que ça fasse pas de glace. Et pourquoi pas? Avec un peu d'imagination. Vas-y. Fais-toi plaisir. Attention. Et action. Il n'y avait peut-être pas de génie dans l'enterre, mais elle est quand même magique. J'aurais jamais cru qu'on pourrait s'éclater avec un truc qui date d'il y a 100 ans. 400 ans même. C'est presque l'époque des dinosaures. Faut quand même pas exagérer. Les dinosaures et le cinéma, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Et Jurassic Park alors? Un point pour toi. J'espère que t'en as d'autres, des surprises comme ça à nous présenter. Des tas.
La lanterne magique a été inventée au XVIIe siècle. Elle est devenue célèbre dans les foires. On pouvait accompagner un conte ou un théâtre de marionnettes. On pouvait projeter plusieurs images à la suite pour raconter une histoire. C'est donc l'ancêtre du projecteur de cinéma et du dessin animé. À bientôt et coupé. Allez, vas-y, un truc qui était super. Action. La lanterne magique a été inventée au XVIIe siècle. Comment? Ouais, c'est quoi? Mini, elle est morte de rire. C'est pas bien. Parce qu'elle m'a regardé. Oh, t'as dit. Mais ça va. T'as pas demandé si on pouvait l'ouvrir? Oh, oui. Il est prêt.